spectateurs de Vénus TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Tamadou Fousseni. M. Tamadou Fousseni est le président de l'Union des Soroïstes de France et de la diaspora. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Journaliste. Vous étiez au RDR et là, aujourd'hui, vous êtes maintenant le président des Soroïstes de France. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je vous remercie de m'avoir convié pour la première fois à Event News. C'est la première fois que je me présente ici et aussi m'adresse solennellement à tous les Soroïstes du monde entier. Et avant de commencer, je remercie le président Bakidou Ouattara pour qui je représente ici l'association et l'Union en France et dans la diaspora. Et aussi avec lui, le bureau complet d'Abidjan, Aruna Traoré, Konaté, Ami Djaga et Rachel et autres. Et je remercie aussi le président Guillaume Soro, le président générationnel, pour qui nous nous reconnaissons. Et je viens, dans le cadre de votre question, c'est une bonne question. Moi, j'étais le président, le secrétaire général du RDR France. Et à un moment donné, je ne voyais plus l'idéologie à laquelle nous étions assignés. Il y avait des arrestations de gauche à droite. Le plus récent, c'est l'arrestation de notre confrère Sou Toussou. Donc, je n'ai pas vu d'un bon oeil, donc j'ai décidé de me prononcer et ça n'a pas été du goût du pouvoir. Alors, j'ai été rappelé à l'ordre et j'ai été limogé de mon poste de secrétaire général du RDR. Donc, c'est à la suite de ça que je suis parti avec ma conviction à l'Union des Soroïstes avec le président Bakidou Ouattara. Et pour qui j'ai dit merci de m'avoir accueilli. Et voilà, M. Tamadou, c'est un homme de droit et un démocrate. Donc, oui, monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a l'UDS, qui est l'Union des Soroïstes de France, il y a le RACI, et je ne sais pas s'il y a encore des mouvements, qui sont tous, en tout cas, autour de M. Guillaume Soro. Voilà. Est-ce que toutes ces associations, tous ces mouvements servent à quoi réellement? À quoi ça va servir tout ça? Oui, comme vous le dites, tous ces mouvements servent à servir Guillaume Soro. Chacun sait le reconnaît. Et comme on a l'adage de dire que trop de viande ne gâte pas la sauce, donc tous ces mouvements autour de Guillaume Soro, ce sont des mouvements qui partagent la même idéologie. Et la parfaite en symbiose qui existe entre nous aussi. Donc c'est pour dire que, vu l'intérêt de tous ces mouvements, que le président Guillaume Soro a lui-même décidé de créer le comité politique. Donc tous ces mouvements, je pense que dans l'avenir ou dans le futur, se retrouveront dans la même assiette et pouvoir travailler en symbiosité avec le président Guillaume Soro. Vous êtes parti du RDR parce que Sou Toussou a été arrêté. Et vous n'avez pas eu d'explication claire et réelle qui vous ont convaincu. Mais votre président Soro est parti aussi du RDR, parce qu'il était candidat, enfin il était député du RDR. Il est parti du RDR pour quelle raison? Ouais, le président Guillaume Soro est parti du RDR parce que, au lieu de redire, la raison pour laquelle nous sommes venus au RDR, nous nous sommes retrouvés au RDR, ces raisons ont fait que nous sommes partis parce que ce n'est pas respecté. Ce que nous avons donné comme conviction, ce que nous avons vu dans le passé, nous avons voulu corriger. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de changement et que ce qui nous a amené là est à nous d'être continué. Donc nous sentons très mal à l'aise pour pouvoir rester dans un groupement mais dans un parti politique qui, après tout ce que nous avons vu dans le passé, est en train de s'acheminer. C'est-à-dire qu'aller vers, aller dans le même sens que ce qui nous avait précédemment révolté. Donc c'est pour cette raison que nous avons... Le RDR qui était un groupement et qui est passé maintenant en parti politique, RDR, RHDP unifié, ce groupement politique
est en train d'être vidé en fait. Je veux dire, le président Soro est parti, le président du PDCI, Henri Collin Bédier est parti. Oui, je vous remercie. C'est RDR unifié. Lorsque on parle de RDR unifié à RHDP unifié. Voilà, d'accord. RHDP unifié. Vous savez, l'idée de RHDP est venue comment? C'était en 2005, à l'hôtel ici à Paris, où il y a eu des accords, des partenariats entre les différents protagonistes. C'est-à-dire que ces différents successeurs de Fourmoyen, qui ne s'attendaient pas. Donc, à un moment donné, c'était totalement donné d'eau. Et nous avons vu avec le ministre Alaki Kobina, qui, j'ai dit, il lance beaucoup de louanges, j'ai dit merci beaucoup, parce que c'était une des personnalités qui nous a convaincus à construire ce RHDP. Mais tant bien qu'aujourd'hui, il a écarté, il ne se reconnaît plus en ce regroupement des partis politiques qui est le fruitiste. Bon, moi, j'ai eu à lui dire, tous les enfants, moi, je suis un enfant aussi du Fourmoyen. On est tous des enfants du Fourmoyen. Parce que vu que c'est que ce grand homme a construit au pays, et que chaque Ivoirien est aussi fier de ses œuvres, de ce qu'il a laissé. Jusqu'à l'arrivée du président Bédier, que nous nous retrouvons aujourd'hui avec le président Ouattara. Voilà, donc c'est pour dire que le RHDP unifié, la conviction que nous avons signée, que nous sommes donnée, la feuille de route qui avait été tracée, ce n'est pas celle qu'on voit. Donc c'est RHDP aujourd'hui, tout le monde est obligé, tous ceux qui se reconnaissent en démocrate, tous ceux qui veulent la liberté d'expression, tous ceux qui veulent que notre pays puisse avoir son attendant Dieu, on lui dit que nous nous retrouvons aujourd'hui divisés, on ne sait pas plus, le nord ne parle pas au sud, l'est, l'ouest, et qu'aujourd'hui il n'y a pas de construction vraie pour pouvoir amener tous les enfants de ce pays à l'unité. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas de raison que nous en soyons dans un bateau que nous savons qu'il va dans le futur se couler. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, il y a une plateforme non idéologique qui se met en place, celle créée par le président du PDC, M. Henri Collin Bédier, dans laquelle se retrouve Soro Guillaume et éventuellement le FPI de Laurent Gbagbo et certains autres partis politiques. Est-ce que votre président a signé cette plateforme-là? Est-ce qu'il se reconnaît dans cette plateforme-là? Le président Guillaume Soro, vous savez, a un conseiller, a un idéologue, à quelqu'un qui a un sens très élevé, quelqu'un de humain, sait ce qu'il fait. Au lieu de dire, même si certains dénoncent que nous n'avons pas apporté de signature sur cette alliance, dans cette alliance, sur cette plateforme, mais quand même nous avons des représentants qui ont siégé. Il y a le ministre Afrissi Bamba Lamine qui a été plusieurs reprises à Daoukro pour assister et pour représenter le président Guillaume Soro. Le président Marc Kidou Ouattara a été à Daoukro avec une équipe dirigée par lui-même et des collègues qui étaient allés voir le président Bédier. Et moi-même qui vous parle tout récemment, j'ai été avec le président Bédier où nous avons discuté. Nous avons dit que la plateforme, ce n'est pas une mauvaise idée, nous adhérons. Mais en ce qui concerne des directives ou apporter sa signature, cela révèle du domaine du responsable que nous accompagnons, qui est le président Guillaume Soro. C'est à Guillaume Soro, à lui seul, de décider de cette signature. Ce n'est pas à Marc Ouattara, ce n'est pas à moi, et ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est Guillaume Soro, le leader du seul, qui peut donner ce que vous voulez que je donne comme réponse. 2020 approche, c'est vraiment votre candidat, il a dit au Croche, il sera candidat pour les élections, le présidentiel de 2020. Est-ce que vous croyez vraiment que Soro Guillaume peut gagner des élections en Côte d'Ivoire, vu un peu son parcours de jeune étudiant syndicaliste, après qu'il est passé à la rébellion, qui aujourd'hui demande pardon? Est-ce que d'abord, son pardon est vraiment sincère? Deux, est-ce que vous pensez que Soro peut être président de la Côte d'Ivoire un jour? Même si vous êtes son partisan. Vous savez, chaque homme politique a son parcours. Hein? Vous savez que chaque filet aussi à son trajet. Quand vous lancez un filet dans l'eau, chaque filet a son trajet. Donc ceux qui sont en train de dire de gauche à droite, Guillaume Soro ne sera pas candidat, il serait passé. Mais moi je vous dis que celui qui nage dans le sens du courant d'air fait rigoler le crocodile.
Nous, nous savons où nous allons. Nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous allons. Avec Guillaume Soro, il n'y a pas d'à peu près. Comme vous l'avez dit, de son parcours estudiantin jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand il passe quelque part, vous voyez la trace qu'il laisse. Vous voyez l'engouement qui s'agite autour de son passage, qui s'agite autour de l'homme. C'est une personnalité charismatique. Et en plus, c'est une personnalité générationnelle, c'est de nos générations. Oui, nous avons toujours parlé de la passe à la nouvelle génération. Le président à l'Assemblée d'Allemagne Ouattara lui-même l'avait confirmé et affirmé. Il avait dit qu'il allait faire la passe. Donc cette passe, quand on doit le faire, il faut des gens capables de pouvoir assumer derrière. Guillaume Soro, quel que soit ce que les uns diront, quelques soubresauts, que ce soit, non. Il faut dire, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour l'instauration de la démocratie, même au sein de l'université et du gouvernement qu'il dirigeait. Nous autres qui sommes avec lui, nous savons qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa conviction, quelle mission il est venu accomplir dans ce monde entier. Et surtout que vous savez, à peu près, je ne le compare pas aux autres prophètes. Voilà, comme Jésus-Christ, le prophète Mohamed, comme Foubaï l'avait dit, c'est des deux personnalités qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui ont aussi dirigé l'ensemble des humains sur cette terre. Et avec leur manière de diriger, nous avons vu jusqu'au jour d'aujourd'hui que le monde tient bon. Ne serait-ce que quelques personnes, quelques faux prophètes qui s'élèvent de gauche à droite pour pouvoir étourdir le monde entier. Sinon, nous savons que Guillaume Soro, c'est quelqu'un, quand il veut faire un truc, il le fait avec conviction, il le fait avec le cœur. C'est un homme de cœur, c'est un homme de combat. Et il va au charbon à chaque moment qu'il veut. Et il aide la population. D'ailleurs, même pour vous dire qu'en 2016, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, vous avez vu dans son programme à l'Assemblée nationale, il avait élaboré même une solidarité pour le peuple ivoirien et même pour aider la jeunesse. Vous avez vu, quand il était à l'Assemblée nationale, l'engouement qu'il y avait autour de l'Assemblée nationale, on avait même oublié qu'il y avait un palais présidentiel à Abidjan. Mais c'est toute cette jalousie qui a fait qu'aujourd'hui, il a été poussé à la sortie. Mais aujourd'hui, il se retrouve comme il lui le dit, chômeur, même étant dans son... il est député. Oui, il est député. Bon, quand on le dit député, un député, c'est un poste, moi je l'ai dit, c'est pas un poste fixe, c'est un poste électif. Tandis que du jour au lendemain, vous pouvez vous faire débarquer. Surtout avec ce que nous voyons en Afrique, il n'y a pas de poste député à vie. Guillaume Soro, quand il partait de la FECI, s'est fait suicider par Bleu Goudé. Aujourd'hui, c'est le même Bleu Goudé qui l'a suicidé aujourd'hui entre les mains de la justice internationale. Il a été libéré, mais pas encore libre de ce mouvement. D'accord. Est-ce que vous pensez que Guillaume Soro a déjà vu ou alors il a vu Bleu Goudé? Guillaume Soro est un homme ivoirien. C'est un Ivoirien qui embrasse tous les Ivoiriens. Et Guillaume Soro a appelé, comme lui-même le dit chaque fois, à la réconciliation, à la paix. Il demande que tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire puissent rentrer, vaguer à leur occupation, se préoccuper, prendre cette réconciliation à bras le corps pour amener l'unité au sein de notre nation. Donc, Guillaume Soro, qu'il parte voir Bleu Goudé, qui aujourd'hui, cela fait un grand bruit autour, et je ne vois pas ceux qui s'agitent en cela. Même eux-mêmes, quand on leur donne là cette occasion, ils courront pour aller voir Bleu Goudé. Mais nous le disons, moi je ne dis pas Guillaume Soro, il n'est pas parti voir Bleu Goudé ou d'aller voir Bleu Goudé. Il est dans son, lui-même, dans sa sagesse, d'aller voir un de ses frères, compagnon de lui de la FECI, avec qui il a mené beaucoup d'actions, avec qui il a fait évoluer le monde étudiantin dans son ensemble. Donc, pour moi, il est intérêt d'aller partout où il se trouve un Ivoirien exclu de ce jeu de 2020. Donc, moi, je suis pour la conviction et par rapport à la décision de nos compatriotes qui souhaitent que Guillaume Soro parte voir Charles Bleu Goudé. Au-delà de Bleu Goudé, est-ce qu'il ira voir Bravo? C'est une question qui mérite beaucoup de réflexion. Donc, dans la mesure où
Babo a été le père politique de Guillaume Soro, le président Guillaume Soro. Donc, aller voir Bleu Goudé aussi, puis aller voir Babo Laurent, il n'y a pas d'impact à cela. Moi, pour moi, personnellement, en tant que président de l'Union des Soroïdes, je souhaiterais que Guillaume Soro voit tous les acteurs politiques. Même Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas exclu. Voilà, ce n'est pas parce que nous sommes pour le dialogue, pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. L'avant-dernière question, peut-être, en tout cas, tout dernièrement à Paris, on assiste à une réunion du RM20 ou le 2020, où le ministre Touré Mamadou a dit que très bientôt ils vont lancer une opération retour à la maison. Vous pensez que Guillaume Soro retournera un jour à la maison? Ça, c'est la parole d'un ministre. Bon, de Touré, voilà. Et si il le dit, c'est lui seul qui sait comment il va le faire. Peut-être qu'il a une solution à faire venir Guillaume Soro à la maison. Donc c'est facile. C'est comme moi, président de l'Union des Soroïdes, je vous dirais que demain, vous verrez beaucoup de personnalités de l'autre côté qui se retrouveront à l'Union des Soroïdes. Et si je vous dis que Mamadou Touré aussi doit nous rejoindre dans les deux mois qui suivent à l'Union des Soroïdes. Donc voilà, je peux me permettre de lui dire. La rupture est consommée. Bah écoutez, le problème politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème de personnes. Nous avons mis des conditions sur la table. Et voilà, ces conditions n'ont pas été étudiées. Et vous voyez même tout récemment, pour ce qui est la CEI, vous voyez ce que ça a provoqué. Donc, oui, nous n'allons pas à la maison parce qu'il faut partir. Nous n'allons pas sortir d'une maison alors que les conditions que nous avons posées, les préalables sont là. Il n'y a pas eu de réponse. Si jamais ces préalables étaient acceptés. Si jamais ces préalables étaient acceptés. L'une des préalables posées, est-ce que le gouvernement acceptera de donner une réponse satisfaisante à nos préalables? Je ne sais pas. Moi, je vous donne seulement une seule condition. Que le président de la République, Alassane Ouattara, accepte de ne pas se présenter en 2020 et qu'il accepte la candidature de Guillaume Soro, comme on appelle, au sein de... Donc, s'il disait oui à ça, vous le battez. Bon, ça, c'est une des conditions que moi, je vous donne. Bon, il y a encore d'autres conditions que ici, je n'ai pas le temps nécessaire de vous évoquer parce que il y a une énormité de préalabilités à poser comme condition. Donc nous ne pouvons pas dire que si on résout deux, trois questions, on va prendre nos valises et on va retourner à la maison. Non, il faut que nous sommes dans un groupement politique où il y a des hommes politique, ou à des réflexions politiques. Donc un seul individu ne peut pas décider à la place de tous. Moi, je ne peux pas vous dire si les conditions que moi j'ai vues sont remplies, que Guillaume Soro est là. Non, je ne suis pas Guillaume Soro. C'est le leader, il sait ce qu'il fait. Il a des conseils, il a des conseils en politique, tout. Mais moi, ce que moi je peux vous dire ici, c'est un engagement. Guillaume Soro, si les conditions minimales que nous posons ici sont rétablies, et ça dit. Et ce que j'ai cité précédemment, tout à l'heure, si ces conditions sont remplies, alors il peut envisager. Monsieur le Président, juste la dernière question. Est-ce que Guillaume Soro va demander un jour publiquement pardon à la nation ivoirienne? Guillaume Soro l'a toujours demandé publiquement. Vous êtes journaliste. Il y a eu des journalistes qui se sont prêtés à cette question. Mais il a... Et qui ont posé cette question, il s'est prêté à cette question-là, il a répondu, il a demandé pardon, et il a même dit, même s'il faut qu'un juge parte à l'arrière pour demander pardon au président de Laurent Gbagbo, je suis prêt à le faire. D'ailleurs, même ça répond à vos questions s'il a à voir Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour dire que l'homme, de par sa mentalité, est grand, il est très grand. C'est vrai qu'on lui dit de gauche à droite, il est jeune, il est pressé. Non, en politique, on n'est jamais pressé parce que Obama a pris le pouvoir à 45 ans. Il y en a deux présidents, Mandela, tout cela. Le président Alassane Ouattara lui-même a été premier ministre à 44 ans, en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que quand on veut construire un pays, c'est avec la jeunesse. Ce n'est pas avec des retraités. Donc, ce que je vais vous dire ici,
le président Guillaume Soro est de sa logique et de sa droiture. Et nous, nous le suivons, nous le soutenons. Et tout ce qu'il fait, c'est avec notre bénédiction, c'est avec notre conviction. Et nous sommes avec lui, nous ne le lâcherons pas, il a confiance en nous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, Monsieur le Président, je veux quand même vous demander votre dernier mot que vous allez adresser à vos militants, aux Ivoiriens qui vous regardent, aux Africains qui vous regardent aussi, et je vais dire mon entier. Voilà, mais je vous remercie. Je vous remercie surtout de m'avoir convié ici. Et je dirais à travers vos médias, pour dire que je remercie tous les Soroïdes du monde entier. Surtout l'Union des Soroïdes, l'UDS. Et je remercie Marc Ouattara, son équipe qui l'accompagne toujours, Aruna Traoré et Sidibé et Ami Diaga et tout. Et je remercie aussi l'équipe du groupement politique qui s'est construit autour du président Guillaume Soro. Je remercie le président Guillaume Soro de nous avoir écoutés, nous, Union des Soroïdes, parce qu'on a eu notre première réunion à Trainville, plus précisément le 18 août 2018, où nous avons demandé ouvertement au président Guillaume Soro d'être notre candidat. Il a accepté, il nous a compris, il nous a attendus. Et aujourd'hui, voilà, les sillons sont tracés. Et voilà, nous sommes, l'horizon s'est découvert. Et aujourd'hui, tout le monde entier sait que Guillaume Soro sera candidat de l'Union des Soroïdes en premier et de tous les Soroïdes du monde entier. Et 2020, ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile, je dirais aux uns ou aux deux d'attacher ceinture parce qu'on ne reste pas dans sa chambre ou dans son salon pour faire la politique. La politique, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain qu'on voit la force des partis politiques. Donc, il faut que chacune et chacun, tous ceux qui sont, qui veulent le changement dans ce pays, puissent s'unir en nous, nous rejoindre et mener le combat de Guillaume Soro. Parce qu'il faut que notre génération soit une génération de conviction, une génération pour le changement, donc une génération qui suit un leader. Et quand il est même en déroute, on dit que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il faut un changement. Il faut un changement des mentalités, il faut une nouvelle classe politique. Et nous sommes dans cette logique-là, nous sommes sur cette voie. Nous savons qu'avec Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire va changer. Nous savons qu'avec Guillaume Soro, il y a l'unité. Nous savons qu'avec Guillaume Soro, la réconciliation, la vraie réconciliation. Et chaque fils et fille du pays se retrouvera en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus d'Ivoiriens de l'étranger, il n'y aura plus d'Ivoiriens en exil. Nous allons tout faire pour ramener tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous pouvons bâtir ce beau pays qui donne l'exemple de l'Afrique, qui donne l'exemple du monde entier, qui fait un bon vivre, où tout le monde entier qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire a mené ses activités sans aucune pression. Et je dirais qu'avec Guillaume Soro, ce sera comme autant de faux moyens, comme partout, et c'est ce que nous allons appeler le futur États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cela. Amis téléspectateurs, nous étions avec M. Tamandou Fousseni, qui est le président de l'Union des Soroïdes de la France et de la diaspora. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre sur Event News TV. À très bientôt. Au revoir.